Oui, bonjour. Bonjour. Nous sommes au monastère Sainte-Marie de la Buenza. Voilà, expliquez-nous un peu comment ça se passe ici et lesquels doivent être au monastère. Merci. Nous sommes, bien sûr, au monastère Sainte-Marie de la Buenza à Buenza. Et ce monastère a été fondé depuis 1958 par les moines qui sont venus de France, spécialement de l'abbaye de la Pierre qui vit. Nous devons leur adresser un grand merci parce que c'est un grand sacrifice de quitter et de venir fonder un monastère en Afrique. Et donc ce monastère, depuis 1958, a œuvré dans ce pays, au Congo-Brazzaville. Et donc c'est un monastère catholique. Et lequel vive au monastère? Parce qu'on nous dit tout le temps que ceux qui doivent être au monastère, ce sont les moines. Est-ce que c'est vrai? Si ce n'est pas vrai, lesquels vivent dans le monastère ou au monastère? Tout à fait. Au monastère, ce sont les moines qui y vivent, d'où l'appellation monastère. Donc c'est la maison des moines. Et quel type de moines? C'est des moines qui sont vraiment des chrétiens catholiques. Il y a des non-chrétiens catholiques aussi? Non, il n'y a que les chrétiens catholiques qui peuvent être dans le monastère. Mais d'autres confessions religieuses, à moins qu'ils se convertissent à l'Église catholique, ils peuvent aussi être accueillis et changer de religion. Et comment est-ce qu'on fait pour devenir moine? On passe par quelle étape? Par le séminaire et tout? Quelles sont les différentes étapes? Justement, il faut être d'abord un chrétien catholique, baptisé et confirmé. Et donc, étant donné que c'est un appel de Dieu qu'on reçoit, on reçoit l'appel de Dieu à vivre uniquement pour Dieu et dans la prière. Et donc, on a soif de prier. Et donc, si on sent ce désir en soi, et on se réfère soit à une religieuse, ou bien soit à un prêtre, ou bien soit à son curé, qui aura la charge de vous diriger. Et dès que ton directeur spirituel, qu'il soit religieux ou prêtre, et même laïque, il sent que vraiment vous avez ce désir de la prière et de vivre dans le silence, et on contacte le monastère et on vient pour faire des séjours. On vient pour faire des séjours, pour faire l'expérience avec les moines qui sont dans le monastère. Et là, tu vas avoir le temps de discerner, de voir vraiment ce que tu sens en toi. C'est vraiment... Mais il faut combien de temps pour être moine? Il faut, une dizaine d'années? Disons qu'il faut au moins 7 ans pour devenir moine, c'est-à-dire pour faire ce que nous appelons la profession perpétuelle, pour dire que vous êtes, à partir de ce jour-là, vous êtes moine à vie. Est-ce que ces étapes-là, c'est comme on voit avec les prêtres diocésains, le parcours du séminaire et puis on est ordonné, ou c'est juste chez vous la consécration et puis on est moine? Oui, d'une part, la première formation qui vous amène à faire la profession perpétuelle se fait uniquement dans le monastère. Donc depuis votre aspirant, vous venez, vous regardez si vraiment vous êtes, vous sentez vraiment votre désir évoluer. Vous faites un premier pas que nous appelons le postulat, qui dure un an. Après le postulat, vous-même, vous jugez pour voir si vous pouvez continuer, ou bien la communauté des moines voit si vous pouvez continuer. Si vous pouvez continuer, vous faites un deuxième pas qui dure 2 ans. Et après ces 2 ans, vous voyez, si vous avez encore le désir, là vous demandez à faire la première profession. Si les moines acceptent, vous engagez, vous faites la profession simple. Et cette profession simple vous amène durant 4 ans encore. Et après ces 4 ans, vous, vous,
vous voyez encore, si vous avez, vous gardez toujours le même désir, vous demandez maintenant à faire la profession perpétuelle que nous appelons profession solennelle. Il s'avère que les moines ne sortent pas. Est-ce que c'est vrai? Ils ne sont pas dehors, ils sont... Tout à fait. Oui et non. Oui, parce que de par leur vocation de tenir dans le silence et de prier, cela ne leur donne pas le temps de circuler comme ceux qui sont dans le monde à l'extérieur du monastère. Donc c'est pourquoi on dit que bon, on ne nous voit pas souvent. Et quelles sont les différentes activités que vous menez ici au monastère? Aujourd'hui, nous avons une règle de vie qui est laissée par Saint-Benoît. Saint-Benoît qui est notre patron et père de la vie monastique. Et donc il nous dit qu'ils seront vraiment moines s'ils vivent du travail de leurs mains. Et donc, à part la prière, entre la prière, nous travaillons de nos mains. Et donc, aujourd'hui, nous avons deux grandes activités, à savoir l'accueil des hôtes dans le monastère qui peuvent venir prier avec nous. Ou les pèlerins. Les pèlerins qui peuvent prier avec nous, qu'ils soient chrétiens ou pas, ou d'autres confessions, ils peuvent venir prier avec nous. Moyennant quelque chose. C'est pourquoi l'hôtellerie aussi est pour nous un gagne-pain, puisque à leur retour, ils payent quelque chose. Et la seconde activité, c'est le poulailler. Et donc nous avons à peu près 1500 poules que nous travaillons, et donc qui nous permet de vendre les œufs. Alors, vous êtes responsable du monastère. Vous êtes au nombre de combien ici en tant que moine? Dans le temps, 1958 jusqu'à 1997, uh-huh. Ils étaient une quinzaine. Mais avec l'avènement de la guerre, en 1998, le monastère est obligé de fermer ses portes. Donc ce n'est qu'en 2008 qu'on a repris. Donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes au nombre de six frères qui ont fait la profession solennelle, qui sont moines. Est-ce que les jeunes garçons s'intéressent à cette vie? Oui, je peux dire oui, parce que je suis dans ma quatrième année de responsabilité de supérieur de ce monastère. Les jeunes, ils passent toujours comme des aspirants, des regardants. Restent? Ils sont là ou... Ils viennent visiter et puis ils partent. Non, ils restent comme de toujours, la vie monastique est une vocation spéciale. Donc ils passent, mais tous ne restent pas. Et aujourd'hui, bon, nous avons deux qui ont persévéré, qu'on a envoyé au Togo dans un autre monastère pour leur formation. Et il y a encore quatre ou cinq qui sont avec nous. Alors, c'est intéressant. En septembre, vous allez tenir une grande assemblée. Je crois bien, à moi ce que je me trompe. Oui, oui. Ici, un peu de nous en parler, lesquels seront attendus au cours de cette assemblée et de quoi allez-vous discuter? Parce qu'une assemblée a des thèmes, justement. De quoi allez-vous parler au cours de cette assemblée? Oui. Effectivement, au jour d'aujourd'hui, les monastères du Congo, Brazzaville, ont senti l'opportunité de se retrouver ensemble pour discuter des questions qui ont trait à la vie monastique en particulier, parce que les autres sociétés de vie apostolique le font de temps en temps, et d'habitude ce sont des thèmes qui ne regardent pas la vie monastique. Donc ils ont senti cette opportunité. Et donc cette année aussi nous allons nous rassembler en septembre. Donc nous avons rassembler donc les monastères du Congo Brazzaville sous le nom Conférence des monastères du Congo Brazzaville. Et cela regroupe cinq monastères. Quatre monastères de femmes et puis un monastère d'hommes. Est-ce que c'est le plus grand monastère du Congo? Oui, aujourd'hui. Et on en compte combien au Congo? On en compte seulement 5.
Ce sont lesquels? Il y a le monastère Sainte-Claire de Thiry, que nous appelons les Clarisses, et le monastère de Kisundi, que nous appelons les Carmélites. Et puis le monastère de Luango, de la Visitation de Luango et de la Visitation de Pointe-Noire. D'accord. Alors, frère Marcel, c'est vrai que nous vous avons pris au dépourvu. Est-ce qu'un appel à lancer, un mot à dire à ceux-là qui vous suivent? Oui, un mot de fin à tous les Congolais, qu'ils soient chrétiens, catholiques ou d'autres confessions. Le monastère est une grâce de Dieu, un don de Dieu pour tous les enfants de Dieu qui veulent se retirer un peu. Et prier, se reposer et réfléchir un peu sur leur vie et sur la vie de leur famille en général. Donc ce n'est pas un lieu qui, comme on dit, un lieu hanté où on doit croire que c'est un lieu de magicien. C'est pour les chrétiens catholiques. Merci, frère Marcel. Merci.